On a décidé de le voir. On a décidé de faire une photo de notre bébé que qui partira au jour des étoiles. Pour nous pousser à bout, à mettre cette photo, pour vous faire taire. En vrai, quand t'arrives même plus à savoir si t'es dans un sketch ou dans la vraie vie, c'est pile à ce moment-là que t'es dans la merde. Je te jure, parfois tu vois des trucs, tu sais même plus si c'est une parodie ou si c'est une vraie personne qui parle sérieux. On vit dans un monde où t'as une influenceuse qui justifie qu'elle a ses règles. Qui dit à ses abonnés normal, si, crois-moi, j'ai mes ragnagnas. Tu me crois pas? Tiens, regarde, tiens. Elle aurait montré son tampon s'il était pas aussi loin dans sa poubelle. T'en as une autre aussi qui vient normal devant la caméra avec son gars qui dit qu'elle a avorté pour la 8e fois. Même si c'est quelque chose de super et que c'est une belle chose et que c'est quelque chose qu'on veut, on veut un deuxième enfant, c'était juste pas le moment, donc on a décidé de pas le garder. Elle doit avoir une carte de fidélité, genre à la 10e fois, elle gagne un préservatif. Et je pense qu'à la 11e fois, elle gagne une culotte avec un cadenas dessus, parce qu'à un moment donné, c'est trop. Parce que, ok, les accidents, ça arrive, mais 8 avortements, madame? Même dans Fast and Furious, il y a moins d'accidents. Et quand t'as autant de jeunes femmes qui te suivent, c'est vraiment la bonne solution d'en parler comme ça. C'est toi qui as raison. Les conseillères au planning familial, elles connaissent pas leur taf. Tu as raison. À quoi ça sert la contraception? Si tu peux aller avorter. Et elle en parle normalement devant sa caméra. Limite, elle gaulerie parfois. En mode, les filles, hier j'ai fait du shopping, je me suis acheté une paire de chaussures et ah oui, j'ai avorté aussi. J'ai failli oublier. Et elle est en détente de cette annonce. Hein. Juste après, elle demande à son mari qu'est-ce qu'on mange ce soir. 8 avortements. Mais à ce niveau-là, ça schneck, c'est un cimetière. Quand elle pisse, c'est des pierres tombales qui sortent. C'est mal niveau de voyeurisme dans lequel on est tombé. Aujourd'hui, t'as pas de talent, mais tu peux devenir riche en vendant ton intimité. Non, parce qu'une fois qu'ils ont fini de raconter leur vie depuis des années, pour garder leurs abonnés, ils sont toujours obligés d'aller un peu plus loin à chaque fois. Et c'est comme ça que t'as une influenceuse qui a montré son fœtus mort pour prouver qu'elle a fait une fausse couche. Intimité, eux, ils connaissent pas ce mot. Ils peuvent croire que c'est le dernier parfum de chez Dior. Pour des vues, ils sont tellement prêts à tout qu'ils font des trucs que personne n'avait jamais fait. Mais si personne l'avait jamais fait avant, il y a peut-être une raison, les gars. Elle a montré la photo du fœtus mort et elle a dit, je suis obligé pour faire taire les critiques. Mais t'es obligé de rien du tout, ma grande. C'est toi, tu les as habitués à tout montrer. C'est toi, tu les as habitués à dire combien de fois tu vas aux toilettes par jour. Bientôt, elle va snapper son caca qui flotte aux chiottes en disant, j'étais obligé, tout le monde dit que je fais caca 2 fois par jour, c'est totalement faux. Et ces gens-là, ils ont pas d'abonnés en vrai, j'en parle pas. Mais ils sont suivis par des millions de personnes. C'est là où c'est des dangers. Et à chaque fois, tu te dis non, là c'est trop, ils ont fait une trop grosse dinguerie, ils pourront jamais faire pire. Et t'as un autre gueulemont qui te dit ah ouais, get ça. Ils ont tellement creusé qu'ils sont après le pétrole là. Bientôt, ils vont arriver de l'autre côté de la planète. Et le pire avec cette histoire, c'est qu'apparemment, le fœtus qu'elle a mis, il est pas elle. Elle a pris une image qui existait déjà. Leur soif de buzz, ça les pousse à jouer sur des sujets comme l'avortement et les fausses couches maintenant. Mais ils ont plus aucune limite. J'ai hâte de voir quand ils vont commencer à jouer avec le sida et le cancer. Foutez-moi ça en prison, ça va servir de leçon à ceux qui s'inventent des vies juste pour abrutir les jeunes. Tu vois que la société est partie en couille quand des gens qui devraient être suivis par un psychiatre, ils sont suivis par des millions de fans. Pour que la chaîne continue d'exister, j'ai besoin de toi, la mif. Mets un like à cette vidéo. Follow la chaîne en activant les notifications et propage un maximum les vidéos autour de toi. Et on continue à gaulerie sur les réseaux. Tous les liens ils sont en commentaire. Tu cliques, tu m'ajoutes. C'était Abou Follet. Vamos.